tous, l'association des Amis de l'Orgue de Saint-Martin de Limoux est très heureuse de vous annoncer le début des concerts de cette saison, organisés grâce à vous et aussi grâce à la commission culture de la mairie de Limoux, représentée par Madame Shirley Vesco et l'aimable autorisation de l'abbé Delpech. Le premier concert est dimanche 11 août à 17h. C'est un concert de musique ancienne et baroque pour flûte de pan baroque et orgue. Les artistes seront Philippe-Emmanuel Haas, venant de Bâle, en Suisse, et spécialiste dans l'interprétation de la musique ancienne et baroque, à la flûte de pan baroque. Et moi-même, musicologue et organiste titulaire de l'orgue historique de Limoux. Le flûtiste donne de nombreux concerts, parfois dans le cadre de festivals internationaux. La particularité de Philippe-Emmanuel Haas est de jouer sur des instruments anciens ou en réplique d'époque, accordés aux diapasons anciens et baroques. Instrument universel, compagnon de l'histoire humaine depuis la nuit des temps et sur tous les continents, la flûte de pan présente par son assemblage de tuyaux quelques parentés avec l'orgue. Ces deux instruments cousins s'accordent à merveille dans des programmes de pièces du XVIIe, XVIe même, au XVIIIe siècle. Lors de ce concert seront interprétées des œuvres de Charpentier, Atteignant, Caroubel, Hendel, Lully, Marchand, etc. Donc il vient exprès de Suisse nous régaler pour ce concert flûte de pan et orgue. Le deuxième concert est le jeudi 15 août à 17h. Ce sera le trio Nulla dies sine musica, donc du latin, pas un jour sans musique, composé de Guy Estembre et Amélie Pialou, trompettes et cors, et de Kazuya Gonji à l'orgue. Ils vont nous proposer un programme autour de la chasse au temps de Louis XIV et Louis XV, de la trompette guerrière au corps de chasse. Ce sont des musiciens très diplômés qui viennent des quatre coins de France pour nous régaler avec des pièces de Marais-Marais, de Lalande, d'Aquin, Mouret. Le troisième concert sera le samedi 24 août à 17h. Vous le connaissez, c'est Frédéric Deschamps, organiste titulaire de la prestigieuse cathédrale d'Albi, qui nous fait l'honneur de venir souvent nous enchanter avec ses magnifiques improvisations. Il nous jouera un concerto de Handel, le concerto pour hautbois de Marcello, transcrit pour orgue. Des pièces très connues de Mozart comme l'Ave Verum, la petite musique de nuit, etc. Donc un beau concert en perspective aussi. Les concerts sont toujours retransmis sur grand écran par le talentueux Jean-Louis Simon, qui nous filme fidèlement tous les concerts chaque année depuis des années. L'entrée est toujours gratuite. Les infos sont sur le site de l'association amiorgue-limoux-imonsite.com. Nous vous attendons nombreux lors de ces concerts, ce qui sera pour nous un encouragement à poursuivre l'action que nous menons pour faire vivre ce magnifique instrument qu'est l'orgue de Saint-Martin de Limoux.